Donc on quitte Port-Bourgenais. La classe. Donc là, l'amiral a été super efficace. Le bateau est tout nickel. Malheureusement. Voilà l'histoire. Donc sortie de Port-Bourgenais. Les Sables d'Olonne là-bas. Le continent. Et l'île de Ré est par là-bas. Donc c'est là qu'on va. On est avec Mako qui lui va sur La Rochelle. On va lui passer un petit coucou, tiens. Mince. Ouais. Mako de Jack. D'ailleurs, ça sent que... Oui, Jack, je t'écoute. T'as attendu l'avis urgent au navigateur, là? Ma foi, non. Il y a un pétrolier à La Palisse qui a ces feux qui sont pas peu visibles, si j'ai bien compris. Et du coup, ils interdisent toute navigation autour. Il faut qu'on fasse le tour de l'île. J'ai pas compris ça, moi. J'ai l'impression qu'il était au mouillage, tu sais, là où je les avais vus dans le brouillard, et que tu dois pas pouvoir aller vers Oléon plutôt. Ah ouais, d'accord. Ouais, s'il est au mouillage, alors ça va, on peut passer sous le pont. Ouais, mais je crois que tu devrais, enfin, écoute le prochain, quoi, pour être sûr, quoi. Ok, merci, je passe sur le 16. Et voilà. Allez, go. Et ben voilà. C'est le truc qui vient agrémenter, c'est les pêcheurs. Donc là on a un chalutier avec plein qui est en train de remonter, avec plein de mouettes autour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Cantona. Impressionnant quand même ça aussi. Ça demande vraiment remonter. Voilà. Donc là, on a toujours le continent. A priori, là-bas, je dirais bien Jarre. On a un autre chalutier devant. Et on arrivait toujours ici avec les baleineaux et les baleines. Les baleineaux devant, les baleines derrière. Et toujours pas de vent. À suivre. Et bien, arrivé sur Saint-Martin-en-Ré. Avec le pont là-bas. Un bateau qui nous croise près. Adèle qui fait coucou. Le Moussaillon. Qui a passé une très bonne navigation. Et le continent par là-bas. Pas grand chose à dire. Une traversée tout au moteur. 2-3 essais à la voile qui n'ont pas été concluants. Et finalement, on arrive avec 2 heures d'avance. Allez, on va essayer de prendre un coffre. Fin de la navigation. Et nous voilà à Saint-Martin. On est arrivé très en avance, donc on a pris un coffre. Et finger in the nose, le coffre en plus. Aïe aïe, regardez-moi ça, il y a plein de gens qui arrivent. Je sens que du coup on va être embêté. Et pendant ce temps-là, les Vikings, ils font plouf. Tous les Vikings. À combien elle est? 17? 18. 18. Fraîchement bonne. Ouais. C'est quoi qui nage là derrière toi là? Arrête! Ça me fait toujours rire. Allez, on attend l'ouverture.
quitte Saint-Martin, donc avec les Anglais qui étaient à côté de chez nous. Si je crois. Alors, c'est les voisins. Hop, 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 tu fais quoi? On va sortir vers le papa. La citadelle. Et on a tout fait en vélo, en vrai vélo hier. Oui, je vais peut-être le couper ça. Allez, La Rochelle, nous voilà. Bon, une vraie catastrophe. Deux nœuds devant réels. C'est ça. Donc, tout le monde est au moteur. Même pas les voiles hautes. Même pas les voiles hautes. On est en train de se rapprocher doucement du pont de l'île dorée. Et là, il y en a un avec un spi gonflé. Superbe. Superbe. Heureusement qu'il y a des marins dans le coin. Ah, il est bon. Dans l'autre côté, là où il est, a priori 3 nœuds de vent. Superbe. Quand même un peu de mal à vous maintenir gonflé. 3 nœuds de vent, même pas. Pendant ce temps-là, la vie à bord, c'est bien difficile. Bien difficile. Bravo! Il n'y a pas beaucoup de vent quand même! L'arrivée à La Rochelle, et moi je suis toujours épaté, les gens envoient dans le chenal. Là, tout le monde sort au près. Super.
et le phare du Bouillon-Ongle. En fait, ça coûte la vidéo. Ouais. Mon souci, c'est un bateau semi-régate. Parce que normalement, le principe, c'est quand c'est blanc dessous comme ça, c'est que tu peux nettoyer carrément à l'éponge. Un samedi d'août, c'est clair que tu vas les changer. Ouais. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Mais là, je sais pas, il y a une centaine de voiles. Hein.